Allez, on peut y aller. Et voilà, bravo. J'en suis à mon 17e collège neuf construit ou reconstruit depuis 2010 en Seine-Saint-Denis. Tout simplement pourquoi ? Eh bien parce que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine et nous avons effectivement fait le choix de l'éducation. Entre 2010 et 2020, c'est 1,5 milliard que nous allons consacrer, que nous aurons consacré à la construction, aux reconstructions, aux modernisations des collèges de Seine-Saint-Denis. C'est super. Moi, j'ai ma fille qui est au lycée maintenant, en terminale. Et j'en ai une qui est en quatrième encore ici. Et franchement, il y a un changement extra. Franchement, c'est super bien. C'est très bien fait. Ils ont pensé à tout. Les élèves, bon, ils ont un bel outil ici. Je pense qu'il faut qu'ils en profitent. Et j'espère que, comme disait pendant le discours, qu'ils vont en prendre soin. Je trouve que là, rénové, il est magnifique. Il est super moderne. C'est vraiment le top. J'ai connu l'ancien, je connais le nouveau. Et ben, j'espère que voilà, les enfants se plairont, réussiront. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. C'est plus lumineux, c'est plus éclairé et c'est vraiment, on rentre dans quelque chose de propre. Je trouve que c'est une rénovation qui est superbe, qui donne énormément de chance aux élèves, puisque si on doit donner l'égalité des chances pour tous les élèves, quel que soit leur niveau social, cette rénovation est exemplaire. Notre sentiment et le fond de notre engagement, ça aura été dans cette opération le respect et l'espoir que ça parle aux jeunes. Alors en fait, il s'agit d'un bâtiment qui comporte un grand carré de 100 mètres par 100 mètres. Donc imaginez qu'on a restauré 500 mètres linéaires de façade sur 3-4 étages. Donc c'est une surface immense faite de pierre, de briques, de métal, de béton. Donc ça a été un travail fait dans des conditions difficiles, hein, parce qu'on avait en plus un collège en milieu occupé. Mais l'école a été très patiente, les entreprises se sont engagées et moi j'étais très exigeante parce que j'allais contrôler le centimètre carré. Et en fait, le résultat, il est là et j'en suis très contente.